Marie-Josée, tu nous accueilles chez toi, dans ta maison qui est aussi ton atelier. On est à Trois-Rivières. Parlons de ce qui nous entoure, qui est cette nouvelle série sur laquelle tu travailles. Voilà, c'est une série, le titre de l'exposition chez Les Entrelacs. Donc, c'est toutes les choses qui nous lient ensemble, les humains, avec tout ce qui se passe en haut de l'univers aussi. Puis, c'est toute une espèce de... Les choses que j'ai retenues de ce mot-là qui m'a frappée, parce que ça a l'air de rien, entrelacs, mais c'est toute cette espèce de transformation-là d'un cycle de naissance et de mort et de transformation de l'humain et tout ce qui, avec tout ce qu'il connaît aussi autour de lui, humain ou pas. Il y a un côté très sensuel dans tes œuvres. Je sais que je parle beaucoup, beaucoup des relations humaines, on s'entend, mais bon, particulièrement homme-femme ou en tout cas dans l'intimité, parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose de très, très intime, donc très, très difficile aussi et très, très épeurant à la limite. Donc, c'est là qu'il y a le plus de difficultés, donc c'est là que j'ai le plus de fun à dire un paquet de choses, là. Les bases sont importantes aussi dans ces œuvres-ci, en tout cas. Ça fait vraiment partie de l'œuvre. Ça représente pour moi, évidemment, parce que bon, c'est propre à chacun, là, mais pour moi, ça représente une assise. L'assise, la personne, tout le travail personnel, le cheminement de vie, etc. À un moment donné, il s'installe une confiance en soi, puis une maturation, puis tout ça. Fait que pour moi, c'est ce que ça représente, la base. Puis qu'est-ce qui a fait qu'on ajoute de la couleur maintenant? J'ai besoin de couleur, on dit. Puis il n'y en a pas beaucoup dans les tableaux, fait que là, je me revanche sur les sculptures, puis j'aurais jamais pensé de rajouter de la couleur au niveau des sculptures. Alors, c'est pour ça que j'ai commencé à mettre un petit peu de couleur, mais j'y vois quand même discrètement pareil, parce que j'aime beaucoup le métal. Qu'est-ce qui t'a attiré de cette matière première? Je sais que j'adore le métal. À chaque fois que je vois une boutique ou quoi que ce soit, à chaque fois qu'il y a du métal, l'éclat du métal, j'arrête puis je regarde. La pierre, tracasse, puis quand qu'elle... ou le bois aussi, il n'a plus après, là. Tandis que ça, je peux retravailler, je peux remodeler tant aussi longtemps que je ne suis pas satisfaite, tu sais. En plus d'utiliser tes mains, ta tête, ta réflexion, il y a un défi physique à ton travail. Oui. Tu vois, je sépare mon temps en peinture et sculpture. Et puis quand j'arrive dans ma période de sculpture, ben je pense qu'il est temps. Il est temps que j'arrive. C'est très libérateur. Puis je suis pas capable de faire une journée peinture, une journée sculpture, une journée peinture. C'est deux mondes complètement différents. Jérôme, tu travailles avec Marie-Josée dans cette plus récente série qui s'appelle Entrelacs. Marie-Josée et moi, on est deux artistes depuis, on se connaît depuis longue date. Et puis, nos approches artistiques sont très, très, très différentes. Et, moi, je suis complètement le contraste. Je suis le contraire de elle. Donc, je travaille très petit, très, très fin. Tu graves donc sur son métal. L'image est déjà appliquée à prime abord. Oui. Est-ce que tu te laisses inspirer de ce qui est déjà, de l'impression qui est déjà faite, ou est-ce que tu as déjà dans ta tête, ou vous avez déjà a priori discuté de ce qui va être créé de vos deux travaux? Bien, on parle beaucoup, énormément. Ça, la communication est hyper importante dans notre projet. J'ai toujours été un fan de Marie-Josée avant de travailler pour elle, d'ailleurs. Fait que ça l'aide déjà beaucoup. J'ai toujours compris son travail. Je la comprends en tant que personne et artiste. Donc, voir les deux, puis apprécier les deux, c'est facile pour moi. Bien, c'était facile, en fait, non, au début, là. Mais maintenant, j'ai une grande facilité d'embarquer dans son travail. C'est fun
fun parce que c'est quelqu'un qui travaille sur mon travail à moi. Je ferais pas ça avec n'importe qui, ça je peux vous le dire, ça c'est certain. Mais il y a tout le temps un élément de surprise, tu sais. Tout le temps un élément de surprise. Fait que c'est vraiment, c'est très plaisant.